Bonjour, c'est Gadu, bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 7 du Let's Play de Minecraft Un été en enfer en compagnie de Farah, Rick et TBH. Tout le monde déserte au fur et à mesure, vous avez vu. C'est incroyable. Il reste les meilleurs. Ça va vite. Il reste les meilleurs, effectivement. Et Rick fait une croix sur le calendrier, il a dit un truc gentil. Non, c'est une blague. Il s'est trompé. Du coup, on va retourner sur la liane. Dans le Nether, parce que c'est le but de cette série, hein, je rappelle le Nether. T'as vu, ça pousse, hein. Oui, ça pousse, effectivement, ça monte au fur et à mesure. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Enfin... Ah oui, par contre, on peut grimper dessus. Donc, on a beaucoup de choses du Nether à découvrir. Moi, je connais pas tout. Alors là, déjà, on vient de découvrir qu'il y avait les facochères dans le Nether. Les Hoglings, c'est ça ? C'est pas ça ? Oui. Qui permettent, en fait, de donner de la nourriture. Moi, j'ai envie de voir ce que c'est, mais je suis sûr, à tous les coups, c'est du cochon. Simple cochon. Les facochères. Et puis, on peut diriger aussi des bestioles qui sont sur la lave. Alors, qui ressemblent à quoi ? Comment ça s'appelle ? Arpenteur. Un arpenteur. Et avec une carotte un peu comme un cochon. Avec une carotte au bout, là. J'ai dit n'importe quoi. On prend une canne à pêche, une carotte au bout, on peut diriger des cochons. Ben là, c'est pareil, on prend une canne à pêche, on met quoi au bout ? Des champignons, ça, au bout ? Champignons biscornus. Biscornus au bout. Et on peut donc diriger notre ami, là, l'arpenteur. C'est ça ? Et pas besoin de sel ? Apparemment... Ah si, si, bah, si. Ah. Et s'il faut mettre une selle ? J'avais pas vu, tu vois. Une selle de quoi ? Une selle de cuir. On n'a pas des selles classiques. Oui. On en a. Oui. Et ça, c'est quoi? Où ça? J'en ai loot tout à l'heure. Ah, dans les coffres, peut-être. J'en ai loot pas mal, ouais. D'accord, nickel. Et bien, dans ce cas-là, tu les as mis dans les coffres? TVH, certainement, parce qu'il a récupéré ce que j'avais. Moi, j'ai trop transféré, donc je pense, ouais. Ok, je vais aller vérifier. Parce qu'on a trop d'autres. Je crois qu'on a qu'une. Ouais, parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une. Parce que là j'ai ouvert le coffre du Nether, y'a rien des deux. Bon, au pire on essaiera de s'en faire une, hein, c'est pas un problème. Histoire d'essayer. J'ai ramené du cuir. Je vais tenter de. Ah bah non, j'ai toujours la peau de lapin. On peut pas les crafter ici les selles. Si ? Peau de lapin. Peau de lapin, il y en a plusieurs. Hein. Mais il me semble qu'on peut pas crafter les peaux de lapin. Non, c'est pas celle, mais on peut faire par exemple une tenue en cuir, mais pour les chevaux. Et un champignon biscornu. Et là c'est un. On a au moins une selle. Je pense que c'est ça. Donc là, si moi j'en avais deux, j'en avais au moins deux là tout à l'heure. Comment vous mettez la canne à pêche avec le. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ok, il y avait une disposition spéciale. C'est bon, j'ai réussi à avoir la canne à pêche donc avec le champignon bout. Ça c'est bien, il faudrait qu'on découvre de toute façon le Nether parce que moi je l'ai fait un peu tout seul, j'étais le seul apparemment à découvrir tous les biomes. Je pense que vous êtes passé à côté, mais vous n'êtes pas rentré dedans tout simplement. Donc on va tous y aller ensemble si vous voulez bien. Là il fait nuit donc il va falloir qu'on y aille. Yep. Vraiment. Donc vous avez vu nos jardins en passage, hein. Magnifique. Voilà. Avec la petite extension qu'a fait TVH là, pour mettre la Nether Wart, mais sinon. Et la piscine c'était moi et. On s'en fout. Et c'était moi et Fab qui ont fait le reste. Je déconne. Oh là là, Fab, j'ai pris. Ça, c'est parce qu'il sait pas nager. Mais par contre, ce qui est pas bien avec ton truc là, c'est avec ton canon là. C'est qu'en fait, eh ben, il est un peu trop à droite parce que t'as pas fait un nombre impair de. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Yout qui l'a fait avec le plongeoir. Ah bon, dans ce cas, c'est bien fait. Alors. Je vais ramasser des œufs sans faire exprès, on y va, messieurs. Oui. Il y a le pauvre Farah qui s'en prend plein la tronche. Abidou Flash. C'est parti. Abidou Flash. Putain, il met la porte dans la gueule. Ça y est, j'y suis. Ah, je crois qu'on va avoir un petit rollback à tous les coups. Hop là, je m'en doutais. Bon. Le double spawn hein, de cette version. Oula, par contre, je n'arrive toujours pas à sortir. Ah, parce que tout le monde doit apparaître, je suppose, c'est ça ? Ouais, vous êtes encore fous, ouais. Messieurs. Je pense que c'est le temps que. Voilà, Farah, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc des facochères et les bestioles, là, les arpenteurs. Comment ça s'appelle en anglais les arpenteurs ? Parce que moi, je joue tout en anglais. Moi. Un John Arpenteur. Les blocs là, j'ai pas été ramassé, tiens, les blocs noirs pour info. Vous en avez ramassé des blocs noirs ? Il y en a dans les coffres à la maison. Ok, aussi, il y en a plein. Hein. Bon, le problème, c'est que c'est un peu. Alors, on en a trouvé tout à l'heure dans la zone où il y avait les champignons bleus, enfin les bois bleus et tout là. Oui, on en a trouvé à cet endroit là des cochons. Allez, vous êtes parti où là ? Ah, stop, on a perdu Rick. Alors, faudrait. Comment on indique notre chemin, messieurs ? Vous voulez mettre des blocs de cobble ? Non, parce que moi, des facochères, j'en avais vu. Ah, bien ce qu'il me semblait. J'en avais vu à côté de la forteresse. Il faudrait peut-être se mettre des blocs, parce que sinon, on va pas savoir revenir. Hein. Ah, ouais, allons à la forteresse. Je vais mettre des blocs.
On retourne à la forteresse pour commencer? Oui, il bah, y en a plein là-bas. Ah, des... Ok, allons-y. Ça, ça mange pas de pain, c'est juste à côté. Donc, tant qu'à faire. Hop là. D'accord, et après, il faudra qu'on sache à quoi tout ça sert. Hein, parce que moi, j'ai vu qu'on pouvait poser des plantes, etc. Je suppose que c'est pas juste que de la déco. Il doit y avoir de la déco à tous les coups, mais je pense que ça nous sert aussi. On doit pouvoir les faire pousser. Ah, et faire aussi une jolie maison dans le Nether quand on n'a pas de maison dans le Nether. C'est vrai. Il va falloir qu'on s'y attelle, voilà. Ouais. Avec justement les nouveaux blocs. On pourra en faire une jolie avec des lianes. Que ce soit cossu. Et que ce soit une belle maison cossue. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant, rien de spécial ici. Voilà, petite save. Il y a pas mal de petits lags là avec cette version, j'ai l'impression. Hein. Ok, c'est bon. Rien de spécial, donc on va aller à la forteresse de toute façon. Il y a pas beaucoup de mobs par contre, je sais pas si vous avez vu. Ouais. Là, quand il y a beaucoup de mobs maintenant, je te parle, je dis pas en général parce que voilà. Oui, il y en avait beaucoup plus tout à l'heure. Voilà, les deux derniers épisodes, il y avait. Bah, ils sont peut-être rentrés chez eux, hein, il y avait peut-être une émission. Non, il y a des Enderman là-bas au cas où. Il y a capoté The Voice. Ah oui, voilà. The Voice. Et les champignons aussi seraient bien d'en ramasser puisqu'on y est. Hein, ouais, je n'ai ramassé. Alors il regarde Santa Barbara. Ouais, Santa Barbara. Et alors, c'est là-dedans que ça se trouve dans mon moment yeah. Je crois que c'est dans les biomes rouges. Attends, Rick, ils sont pas Rick, oui. Toi, ils sont arrêtés là-bas. Ouais, on s'est arrêté pour prendre des champignons. On arrive. Bien le champignon. On irait pas là-dedans. On peut fouiller, oui. Après, je crois que c'est dans les biomes. Là, c'est tout droit là. Il y a un petit salopard de pigmen machin là. De... Suivez-moi. On te juste fait, un petit là. Attends. Moi je dis, il faut mieux le tuer avant qu'il devienne grand. Hop, voilà. Oh, plein de yannes. Alors moi j'ai déjà allé par là pour info hein, aussi. Est-ce que les arbres donnent des pouces là? Est-ce que tous les arbres... Non, vous avez... Alors oui, j'ai pas vu, je sais que ça donne... je sais que tu peux couper le bois. Par contre j'ai pas vu si, si le branchage qui est là, autour disparaît comme... Ah bah il est pas là. Si je suis juste à côté de toi. Le branchage de ben, viens vers moi, il y en a. Parce que, en fait je voudrais juste te voir si ça donne des arbres en fait. Ça donne du bois. Non, ça donne pas de côté. C'est un champignon, ça donne pas de. C'est un champignon. Là, il y a un champignon, ça. Il y a un facochère. Eh oui, mais je le dis, il vient pas. J'ai tout obtenu. J'arrive. Il est où le facochère? Deux facochères, ici devant moi. Juste là, de l'autre côté. Le côté de la lave. De la lave. Comme par hasard. Ils sont où? Ils sont là. On peut les approcher ou quoi? Attention. Alors, ils sont très agressifs. Deux fois sur trois. Attention, c'est la petite lave, voilà. Ouais, bien. Ils sont nombreux. Non, il est pas agressif du tout. Regarde, il me regarde là, avec des grands yeux et puis il m'agresse pas du tout. Il est mignon. Par contre, il y a une bande de racailles là-bas. Ouais. Oh, putain, il y en a tout plein. Il y en a encore un là. Oui, quand t'en as 15, ça va, regarde, voilà. Quand t'en as plusieurs. Ah, c'est, il commence à taper. Ça y est. C'est quand t'en as plusieurs. Si vous avez tapé, vous avez fait quoi? Non. C'est juste qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nombreux. Il dit, vas-y, on est nouveau là, on s'est fait. Oh, tiens, nomme des trucs derrière là. J'ai un nom assez quelque chose, bébés, c'est de la viande cuite de porc. Les bébés n'attaquent pas, donc. Faut en retrouver un tout seul. Alors, par contre, je vois que juste derrière là-bas, il y a une bande de racailles. Une bande de singes voleurs de pastèques. Et là, on a des champignons, c'est quoi les champignons? Là, ils sont nombreux, Il y en a, oh, il y en a au moins 3. Oula, tiens, ils attaquent, attention! Je me fais cocher. Et on les attrape avec quoi? Ça va. Non, vous connaissez pas ça? Et on les donne, on les chope avec quoi? Avec les champignons biscornus, c'est ça? Je suis sûr que Rick connaît. Lesquels? Champignons biscornus, oui. Les arpenteurs, c'est sur la lave. Ils sont que sur la lave, sinon ils ont froid. Quand personne ne peut plus vous sentir. Non, ça vous dit rien non plus, ça? C'est Timon et Pumba, non? Bah oui, c'est ça. Bah quand même, Timon et Pumba, tout le monde connaît normalement. Ah oui, Hakuna Matata. Je déclenche des tempêtes. À chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants. Et c'est Hakuna Matata, effectivement. Tout le monde arrive à suivre? Oui. Moi, je suis juste, vous jouez tous les trois, donc tout le monde suit. Bah quand on n'est pas nombreux, c'est beaucoup plus facile. Il faut juste qu'on trouve... bon là, c'est un Enderman, et c'est un cul-de-sac. Ouais, peut-être qu'on trouve un grand lac de lave. Ouais. Attention, il y a un piglin qui arrive, attention, c'est bon, c'est réglé. Merci DVH. Les viewers n'ont plus se remarquer que Gagnu ne panique surtout pas.
Jamais de panique avec Galu. Non, je ne panique pas, je gueule, c'est tout. Pour que tu... Alors, il y a un Hoglin et des Piglins aussi en face. Bon, ils viennent attaquer. Ouais, les deux en même temps, là. Attends, Ah oui, non, mais ça, ils vont pas venir, il y a un trou. Pour moi, c'est les... Oh putain, il a fait comment? Oh, t'es au sol, il me tape. Mais pourquoi vous lui donnez pas des champignons plutôt que de le taper? Bah, moi, je veux, mais lui, il veut pas. Donc, il me tape. Il donne un peu de bien, il donne du cuir, par contre. Il veut pas les carmins, il veut... Il y en a un autre là-bas, il y en a un autre là-bas devant. Ouais, faut peut-être tester les bleus. Il y a des lianes, là. Vous en avez des lianes rouges, comme ça? J'en ai un peu, après, on peut en récupérer. Par contre, faut des tenailles. Des cisailles, tu veux dire? Cisailles. Ah, et il y a un truc aussi, Gadu. Les hommes cochons, là. Non, ça marche pas, les champignons. Quand tu leur donnes de l'or, ils te donnent des trucs. Ouais. Putain, je vais crever, moi. Attendez, je veux faire l'expérience. Ouais, ils tapent point. Ils donnent quoi? Les pigments normaux. Ouais, ils les donnent des trucs. Oh, font chier les cochons, là. Ouais, les cochons, là, il y en a plein, les cochons. Oh, putain. Pardon. T'as fait un aspect, Sosa? Oui. Alors attendez, il faut que je me régène parce que je commence à. J'ai plus 4 coeurs et demi. Enfin, j'ai tranche en 4, aura feu 2. Et ça donne bien des coups. Derrière vous, Farah, y'en a un. Farah, y'en a un qui arrive! Deux qui arrivent! T'as la vache, c'est costaud ceux-là. Alors regardez-moi cette bande de racailles. Vous en avez marre de ces racailles, de cette bande de racailles? J'adore ça, bah. Voilà, j'adore ça, enfin, je veux dire là. La phrase elle-même, hein. Je ne juge pas après du fond, hein, mais la manière dont c'est dit... On va peut-être retourner même plus là où on est arrivé, il y a peut-être plus de lave, je sais pas. Par contre, on n'a pas mis le chemin? Par où on vient? Je m'en souviens. Oui, c'est pas vrai. Alors, vous êtes sûr? Pour moi, en fait, on s'enfonce, hein, on revient pas, là. Non, c'est par là, c'est là où je vais, au cas où. Ok, alors moi je suis TVH, parce que je... TVH, au moins, il est bon. Oh. Rick, tu suis? Oui, non, okay. Je le voyais récupérer quelque chose, mais c'est dit. Ouais, il y a d'autres choses à ramasser, hein, sur le chemin. Ça farme là, comme des fous, là. Bah, profitez-en pour tout. Attention, Enderman. Ouais, attention, on va pas regarder l'Enderman. Ou à le buter, sinon. Juste de l'autre. Ah bah voilà, on a retrouvé le chemin. Donc, le chemin de base, il est là. C'est donc bon, on peut peut-être partir plus vers le... Là où on était parti de base, avant de revenir vers le fort, vers le portail. Il y a toute une zone qu'on n'a pas explorée, un peu vaste. Avec de la lave. Peut-être qu'il y aura des arpenteurs là-bas. Bah allons-y. Bah écoute, C'est pas par là qu'on était passé. C'est pas par là qu'on était passé du tout, TVH. C'est clair qu'on n'est pas monté par là. Donc là, je sais pas où tu vas. Non, mais au moins... Là, c'est bon. C'est pas... Attendez, j'ai mon essai de non, seul. C'est pas par là non plus. Ah bon, ouais, non, on était beaucoup plus bas, en fait. Oui. TVH où n'est ? Je suis en dessous. Ah d'accord. Hop là ! Ouais, j'ai pris 2 coeurs de dégâts, mais c'est pas grave. Je viens de tomber où t'étais là, mais sauf que je te vois toujours pas. Je suis en dessous, je suis vers le chemin. Ah, moi je vois le chemin, ça y est. Ah, je suis là, gauche. Bien, faut revenir. On va redescendre. Je suis là. Nickel. Vous êtes tous les autres. On arrive, on est sur la route. Ok. Alors, il y a bien les lianes, Rick, les lianes. Bah oui. Hop. J'ai justement en train d'y penser en les voyant. Ah, là, il y a des mobs. Là, il y a des mobs, mais c'est que des pygmées. En fait, ah, de attention, il y a un bébé là-bas, dans les escaliers. Ouais, faut lui le buter hein, quand il est comme ça. Parce que s'il vient grand après. Et s'il a un accident dans les escaliers, ça serait bête. Allez, vas-y. Il court. Ah, par ici. Ah, je t'ai eu. Et voilà. Ouais, il m'en mettra plus. Ah, ils sont là. Bon, donc du coup, où c'est qu'on trouve nos... Comment ça s'appelle déjà les arpenteurs? Ah, il faut qu'on trouve un lac. Comment bah, je pense qu'il y a un lac de l'autre côté, là on n'a pas de sport. Ah, comment vous les appelez les arpenteurs en anglais? Je sais pas. Indian. Je vais leur faire, hein. Indian arpenteur. Non, j'ai pas compris la blague, là, pour le coup. Indian arpenteur. Un junk arpenteur. Junk arpenteur. Ah. Excuse-moi, impossible. Hein, oui, on a été pourri. Non, commence pas à me raconter non, la messe. Non. Il y a un gast en haut, faites gaffe. Et le bois, donc du coup, on peut se servir comme bois classique à faire des escaliers. C'est en ouais, bois vert, ouais. Vous avez fait ça. Hein, ouais, vous... Ça doit être sympa, ouais. Bah, pour les portes aussi, trappe, pression, bouton. Une maison toute verte, là, c'est ça qu'on va faire dans le désert. C'est entre le bois et les. Au moins, t'es sûr de pas la louper si tu passes à côté.
Bon, de toute façon, oui. Bah, et ceci dit, on a, je crois qu'on n'a jamais fait de maison dans le Nether dans cette série là, qu'on a fait. Oula. Du bois comme ça, vous avez vu, là, ils ont fait des interrupteurs en bois de. Ah! Donc, Rick, tu t'en sors? Bien joué, Rick. Bah, il a fait un retour au Thunder. Bien joué. Donc, revenons à nos moutons ou à nos piglins en l'occurrence. Je suis presque arrivé là, j'étais ralenti. Oh putain, j'ai fait marcher dans la lave encore. Faut vraiment compter de ça. Donc, parce que alors, le biome là avec les grands pics là, j'ai pas été voir dedans. Bah en fait, on l'a déjà traversé pas mal de fois en passant. Ouais, y'a rien d'intéressant. En fait. Donc, ça aurait été par là-bas, là où on n'est jamais vraiment allé. Vers le bas. Vers en bas, ça fait assez plat avec de la soul sand. Alors, on a des blocs volants, on a un grand truc de quoi. Je sais pas s'il y a un chemin par là. Bah, c'est par là qu'on a visité tout à l'heure, et on a fait demi-tour. Ouais. Parce qu'il y avait les zooglins de l'autre côté. Attends, juste, on va poser peut-être ça, pour savoir qu'on est là. Tu remontes ou tu redescends en fait? Moi, je descends. On descend tous? Bah, je pense. Les deux, Eric, je sais pas, ils sont pas tentés. Ah, le salaud, il me pousse. T'as bah, un coup d'épée tout à l'heure, là. On reste en haut pour le moment. Bon, bah, TVH, salut. Bah, moi, je vais regarder en bas si je vois pas quelque chose. Non, mais il y a des chances qu'on redescende parce que je pense que nous, on va vite arriver dans un cul-de-sac. À moins que on puisse rejoindre un lac de lave. Je vois un immense lac de lave. Ah, tu redescends par là. Bah, oui, remarque, c'est. J'ai ma pioche qui va bientôt casser, j'espère que vous en avez une. Oui. J'en ai une moi qui est efficiency 1, elle est aux 2 tiers, mais elle est en fer normal, hein. Elle est pas en breakable. Attends, ah, par contre, une torche. L'épée la fait pas, ça a abîmé ton épée pour rien. Non, mais j'ai pas de pioche. Donc, moi je pose des petits blocs en attendant, je sais pas si vous voyez. J'ai un biome sous le sand, si besoin. Alors, bah, puisqu'on y est, on va farmer, mais enfin, c'est pas. Je repose des petits blocs, hein, d'accord, pour pouvoir remonter après. Ah, j'ai trouvé un escalier. Donc, je sais pas si c'est toi qui as un escalier, mais il y a un escalier. Attention, on se fait tirer dessus par le machin. Ok, donc moi je suis en bas, TVH. Je suis avec toi. Enfin, je suis avec toi, okay. Je suis dans ton coin. Je suis un peu plus loin, quand je reviens. Ah, j'ai des flammes bleues en naturel. Bah, on va y aller. Alors, c'est vrai qu'il nous reste aussi de la netherite à récupérer. Ouais. Netherite qui est encore mieux que le diamant, mais par contre. Attendez, nous, on a. Ah, bah là, il y a un grand lac. Ah, bah voilà, là, tout le monde. Voilà. On a trouvé le grand lac. Il y a un lac. Stop, vous êtes où là, avec votre grand lac? Ah, et est-ce que t'as vu les ruines? Parce que là, on en a à côté de nous, là. Alors, non, je n'ai rien vu. Les ruines, c'est les trucs en quartz? Si, ça, j'ai vu ça. C'est pas du quartz. Ah, c'est pas du quartz? Non, c'est pas du quartz. Merde! C'est des. Non, c'est un alors, ça donne ça. De la poudre d'os et des blocs d'os. Si vous voulez, j'en ai un entier un peu plus loin. Mais il était entier, ça. Ouais, non, en fait, je l'avais formé en partie. Montre-nous, ah. TVH, éventuellement, oui. Voilà, là-bas, ouais. Et en plus, on pour moi, il y avait trois petites branches. Ouais. Mais en fait, c'est des squelettes, en fait, c'est pas ça? Des oui, c'est squelettes des squelettes, de mais je l'avais formé en partie, celui-ci, j'avais juste une pioche. Bah, c'est comme dans la terre, on peut en trouver, mais c'est rare. Voilà, c'est pour faire beau. Faudra retourner au grand lac de lave. Oui, on va bah, revenir juste après. Hein. On y retourne là directement. On va juste regarder le fossile éventuellement. Et après on revient au lac de lave. Là il y a le fossile. De lave. Oh oui. Après il y a quand même le lac de lave là devant, donc on peut peut-être essayer de continuer. Vous avez vu? Ça c'est un fossile. Oh putain. Ah bah, tiens, moi je suis mort. Bon, j'arrive pas à remonter de toute façon. T'as pas de bloc sur toi? Je peux rien faire là. Je suis foutu. Voilà, c'est foutu. J'ai pas pu poser de bloc, j'ai rien pu faire. J'ai même pas vu, j'avais enlevé mon HUD en plus, puis j'ai marché, j'ai pas eu le trou devant moi. Ceci dit, pas de panique, je n'avais qu'une armure protection 1, une épée voilà, que j'avais déjà à moitié usée, donc j'ai pas perdu grand chose, c'est juste que je suis mort. Voilà. Donc ce que je vais faire éventuellement ici, je vais récupérer un stuff de merde et je vais vous rejoindre dans un instant. Donc c'était le fail évidemment. Alors voilà, je peux prendre mon casque protection 1 comme je l'avais dit. VH, reviens avec nous, on va rester groupé. Je regarde juste un iron quand même. Et puis je m'équipe juste de ça, j'ai un pote en salon et c'est pas grave, ça sera déjà pas mal. Voilà, donc c'était le fail, et c'était prévisible, mais c'est pas grave. Juste des torches, alors du coup j'ai pas de blocs, vous voulez que je prenne des blocs au passage? Peut-être bien ça, prendre des blocs. Pourquoi pas, oui. Une pioche. Une pioche aussi, tu veux une pioche? Ouais, regarde, parce que la mienne avait cassé. Regarde, il y avait un coffre, il y avait une pioche en diamant, prends-la. Non, certainement pas. T'es sûr?
Certainement pas. Là, je peux t'assurer que j'ai certainement pas la prendre en diamant. Je vais te prendre une en stone parce que je peux. Enfin, si je peux t'en faire une en fer. Non, en métal, prends-en une en métal. Alors, il faut que j'en fasse une en métal si tu veux. C'est rapide. Ah, une en métal suffira? Une ou deux? Oui. Ouais, une ou deux, parce que sinon. Mieux prévoir. Mieux prévenir que guérir, comme on dit. Alors, par contre, j'aime bien que vous reveniez en fait, à la base, bah, du coup, pour me venir me chercher, parce que sinon je vais. Ah bah, j'ai fait plouf. Je ne vais pas enchanter car je n'ai plus de niveau. Mais c'est pas grave. Moi aussi, j'ai fait plouf. Toi aussi? Ah merde. Ouais. Bah tu vois, comme quoi c'est rapide, hein. Et... Yes. Toi, tu meurs beaucoup aussi, hein. Beaucoup, hein. C'est le nether, c'est tout. Et puis j'ai cherché vite fait du... Non mais c'est vrai que c'est un peu salaud, cette histoire de lave un peu partout. Enfin bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Ah, je m'y perds dans ces coffres, là, j'avoue. Je sais jamais où c'est. Bah en fait, vu que j'ai pas la logique... Voilà, c'est bon, j'ai pris des torches aussi, hein, max. Ok, bah tu prends aussi une armure, hein. Il y a une armure par là, il y a un lot d'armure, bah tu prends, tiens voilà, un chapeau, un haut et des chaussures. Voilà, j'ai pas mis de pantalon, je m'en fous un peu, je passe après. De toute façon, c'est relativement sécure, c'est vrai que par contre... Je teste le fond, il y a du fond, hein. Oh putain. Ok, bon, toi t'es... ok. Ah oui, de la bouffe, j'ai pas pris de bouffe quand même. Et après, on peut y aller. J'ai pris 4 pioches, hein. J'ai 2 pioches en pierre et 2 pioches en métal. Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Trouver quelque chose. Il y a Drake qui vient de faire le grand saut. Ah putain, lui ah aussi. Bah, chacun son tour. Ouais, tout parce qu'en meurt, fait, là. Parce qu'en fait, il a tapé dans un bloc qui était. Non, j'ai pas tapé, j'ai voulu poser un bloc de Netherrack. Et en fait, c'est tout s'est effondré autour en de fait, moi. C'est une sorte de sable, en fait. Ah. Sur les plages oui, du lac. Ok. Ouais, je vois ce qui se passe, ouais. Et je suis tout seul. Bah ouais, moi, si tu meurs pas, tu peux te mourir. Bah du coup, j'ai tout mon stuff à faire. Ouais, bah de toute façon, t'as pas de niveau. T'as pas de toute façon, TVA, je vais savoir vous ramener parce que je suis. J'en avais 21 tout à l'heure. À côté des fossiles là. On est passé. Il y a. Je nous ai tous amenés à la main. Non, c'est en or. Bah je le prends. Là, voilà, hop, on fait 2 pantalons, tiens. J'ai fait 2 pantalons. Ah putain, prendre les minerais, là, ça commence à tiens. Pantalon. Voilà. Ok, tiens, bah du coup, je te donne tiens, tes pioches, là, que tu voulais, là. Moi, je vais garder la pierre, c'est bien. TVH, t'es prêt, toi? Ouais, moi, je suis prêt. Tiens, bah tiens, prends ça. Je fais une épée, un peu. Et prends ça. Voilà. Je te mets tout. Je sais que je vais remourir, donc bon, j'ai pas beaucoup. Voilà, juste de la bouffe, et puis on peut y aller, retourner où on était. Désolé pour le petit fail. Mais vous êtes habitués, hein, les viewers. Vous êtes tout le monde à fail, là, sauf Farah, pour une fois. Ouais, comme quoi. Ah, je suis niveau 1, tiens, je sais pas ce que j'ai foutu, mais je suis niveau 1. Je sais pas. Je comprends pas. Du coup, ça va me permettre de vite fait faire un protection 1 sur mon plastron, moi. Puisque j'y suis, quand même, ce serait dommage de pas en profiter. Si vous avez un niveau, mettez-le 1. Hein. Je prenne 2 trucs bleus, là. Ah, en espérant que ça marche. Bah, sinon, je mettrai le pantalon au pire. Ou si j'ai Fire, mais Fire ça m'étonnerait niveau 1, j'en ai beaucoup, j'en ai un. On va faire ça, hop. Et on y va direct, hein, parce que pendant ce temps, il y a des viewers qui sont en train de se marier, là. Attends, parce qu'il y a Fora qui est pas encore mort, tu vois. On va arriver, il va mourir à cause de nous. Oh, on va mourir de faim. Bah, je nous ai bien tous tués, hein. Non, fait chier. Non, mais j'ai de la bouffe, c'est ce qu'il faut pour survivre. Protection. J'ai 2 blast protection, hein, c'est pas possible. Ah bon, ouais, il va pour l'épée, sharpness 1. Voilà. J'aurais pas équipé mon armure, mais j'aurais une sharpness 1. Je t'apprends un peu plus fort, j'ai le casque protection 1, tant pis. Bien, et bah moi, du coup, je suis prêt. J'avais donné des blocs aussi pour Rick, il en a pas voulu, les blocs de stone. J'ai donné un phare, rien à foutre. Phara ? Oui. Mon lapin ? Oui. Tao. J'arrive juste dans le portail, je viens de spawn. Bah tiens, il y a TVH qui est là. Oui, je vous attendais. T'as pas d'armure? Non, je sais très bien que je vais mourir, donc je vais pas faire d'armure. C'est vrai qu'on va cramer des blocs. Faudrait qu'on referme du fer, hein, pour info, messieurs, parce que le fer, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Il en restait une petite vingtaine, là, c'est tout. Hein. Et donc, faut qu'on retourne, c'est par où qu'on était? Et bah attendez, c'est attendez, la... attendez, c'est droite, il y a la pierre. Je suis à côté de la... du fossile, du gros fossile, là. Tank. Je suis toujours vivant, toujours debout. Mais bon, super. Non, mais laisse-moi taper dedans. J'essaie de leur envoyer, retourner en rouleur. Ouh, mon lapin.
Je parle au gaz, t'as pas à faire. Hein. Oui, je passe à la pente, la passe à Yout. Pourquoi le zombie pygmée il a qu'une oreille? J'ai jamais fait gaffe à ça. Parce que l'autre est zombifié, c'est le crâne. Ah. Ah oui. Ah oui, c'est un peu mal dessiné. C'est vrai que mon pack de textures là améliore pas trop les zombies, là. Voire pas du tout même. Alors que sinon il a deux oreilles. Dans l'autre version. Oula, oula, le Rick arrive et le... on va changer le pseudo de Rick. Alors on va plus l'appeler Rick McGun, ça va être Bling Ding Rick maintenant. On va l'appeler. Ouais, mais au moins comme ça ils m'emmerderont pas. Moi j'imagine bien Rick, là, je suis dans sa jeunesse, avoir une grosse horloge en or là sur le ventre là avec une chaîne, là. Grosse chaîne. Et montre à gousser. Du style. Bling bling. C'est ça. Puis avec la R5 qui saute. La R5. La BX, tu veux dire? Non, la Renault 5. Qui saute. Ou le BMX aussi. Un BMX. Donc, revenons à nos moutons. Farah, est-ce que pendant ce temps qu'on est en train de mourir, est-ce que t'as fait quelque chose ou t'as rien branlé ? J'ai rien fait. Je m'en doutais. Je vous ai attendu patiemment. D'accord. Alors, ah, il a pas enchaîné. J'ai vu le si tu dansais le meilleur, Farah. J'ai dansé le meilleur. Ah, bah voilà. Chaîne en or. Nous dire, voilà. Alors voilà, où c'est, dans quel trou je suis tombé en fait? Ah, le truc est là. On l'a bouché. Je l'ai rebouché. Ah bah attends, pas tout ça parce que... Moi, il reste rien de mon stuff. Non, j'imagine. Non, il reste rien du tout, tout a disparu quoi. Non, faut pas rêver. Hein. Ouais, ça faut faire gaffe parce que ça va vite. Là, on bon, a j'ai essayé de poser un bloc, hein, mais il n'y avait pas de prise. Pff, alors le bloc d'os, on s'en fout. Hein. Si c'est que de l'os derrière, oui, hein, c'est pas faire beau. Mais... T'en passes pour la tête. Voilà. On poursuit pas du tout, du coup. Oui, on inspectait le lac. Parce il y a que si on s'approche suffisamment derrière, proche... Si vous voyez le lac qu'il y a derrière, hein, c'est autre chose. Alors par contre, si tu t'approches sur la rive du lac, ne pose pas de bloc au sol. Oh, j'en ai trouvé un. Et ne creuse pas non plus. Où ça? J'en ai trouvé un. De l'autre côté. Alors attends, on revient là où il y a les autres. On arrive à toute vitesse. Normalement, du squelette, vous me voyez. Alors, moi, je suis au squelette. Au pire, je vois rien. J'arrive. J'étais juste en face, de l'autre côté de la lave. Comment t'as dit le truc et la lave? Il y avait un petit chemin. Ah, par contre, je suis bloqué. Mince. Alors, quand tu dis de l'autre côté de la lave, il y a quoi au côté De là où on arrive, il y a le squelette à droite. Ah, c'est bon, on te voit, c'est bon. Juste on voit. Là. On te voit. Vous longez la corniche, par contre, il n'y a pas de moyen de retour. Donc, ah oui, tout là-haut, ok, bah, je le cherchais en bas. Alors, tout là-haut, en face. Donc faites gaffe en descendant. Faut creuser la paroi. Creuser un peu la paroi pour passer parce que sinon il n'y a pas moyen de remonter. Bah si, il y a moyen de remonter. Hein. Enfin oui, effectivement, faut casser un peu la paroi. Voilà. Parfait, merci pour les torches. Voilà, je vais poser un bloc en haut là. Pour s'en rappeler. On pourra pas descendre plus bas, mais merde. On le voit. Je suis con. Voilà, alors on le voit où? Il est où là? Attention, il y a un petit bébé. Non, c'est. Faut continuer un peu. Continuer un petit peu, ok. Donc on a fait un petit escalier, on pourra revenir les deux dans le nez maintenant. Il est en bas. Ah. On peut aller le voir je crois pas qu'il y ait assez de place. Peut-être à droite. Attends. Oh putain. Creuse pas sous toi. Creuse pas sous tes pieds. Putain, c'est con. C'est... Ah oui, ok, je le vois, ça y est, il y avait du devant. À part creuser un peu vers la... Ah non, peut-être la gauche. Là, on peut y aller, mais bon, ceci dit, ouais, c'est... Bon, c'est juste pour le voir, ah, ouais. C'est pour les viewers, écoutez. Ouais. Mais si, bah attends, on va l'attirer. Enfin, monter dessus, oui, c'est pour traverser la lave, après... Ah oui, alors effectivement, il n'y a rien du tout, là. En fait. Attends. Plus vers là-bas. Ah oui, effectivement, il a une tête de... je sais pas quoi, là. Une tête de une grosse tête. C'est vachement constructif. Une tête de je sais pas quoi. Bah, comment on pourrait le faire venir? On pourrait pas. Hein. Si, il vient, si t'es suffisamment près de lui, ouais, tu l'attires avec la. Un champignon. Avec ta canne à pêche, justement. Ah ouais, mais la canne à pêche, je suis mort avec. Bah oui. Non. Ouais, mais j'en ai refait une, moi. Ah. Rick et moi, on en a une. Par contre, j'ai plus mes torches. J'ai ce qu'il faut, je suis derrière toi.
Quelle épopée. Comme tu dis. Poussez pas derrière. Ça perd les copettes. Voilà, voilà. Moi, je vais pousser Farah. Moi, je te le dis. J'ai creusé au-dessus, j'ai vu de la lumière. On a fait ça, on est tous au fond de l'eau. Hein. Farah, conseil, sors du trou en attendant que Rick y finisse. Hop là. Et le conseil, pas qu'il survive là. J'ai un mec qui meurt, moi, comme tout le monde. La dernière fois qu'on a fait ça, la dernière fois qu'on a fait ça, il y a Kaya qui nous a tous tués. Dans un escalier comme ça. Oh putain, Rick, fais gaffe, il y a la lave. Ouais, je peux plus aller plus loin. C'est un petit peu normal. Essaye de tourner par. Essaye de partir à l'autre. Ah, attendez, moi j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là. Fais gaffe, Gadu. Non, en fait, il y a quelque chose en dessous. Tu veux que je passe en dessous. Donc, s'il y a un socle en dessous, tu vois, on peut descendre assez facilement. Putain, je peux sauter là. Je peux juste refaire un escalier. Ah, attention à pas crever. Ouais, s'il vous plaît. Ah, même si. Rick, creuse pas en dessous. Si jamais tu remontes, Rick, creuse en dessous, on fait plouf. C'est bon. Vas-y. Ouais, faut pas creuser. Ok. T'as pas torché du bon côté, Farah. De toute façon, en continuant à creuser, vous allez atteindre la lave. Il faudra avancer un peu. Attends, TVA, je ne bouge pas. Vous êtes parti par où là? Non, on remonte. Ouais, fallait continuer tout droit en fait. C'était où? C'était là. Ça va pas. Ça va pas trop. Faudrait l'allonger un peu plus loin, en longueur. Et après tourner à droite. Ah, toujours pas. Alors. Non mais sinon, attends, on peut aller de l'autre côté de la lave, là, et je sais pas. Moi, je vois plus rien, en fait. Ça sert à rien, ce que j'ai fait, là. En fait, ça sert complètement à rien. Bon, attention, Rick. Attention. Ah. Faudrait... Non mais sinon, c'est pas grave, écoutez, on l'aura vu. On peut rien faire dessus, là. Si, vous avez la selle, encore. Oui, ah. Bah, ah non. On peut passer par là pour se pencher plus près. Ici, Rick. Par ici. Bah, attends, oui, mais c'est ce que je suis en train de faire, attends. On s'en occupe. Il nous faut juste des blocs. Voilà, et après, il faudrait légèrement descendre. Essayez de la tirer. Rick, c'est bon, ils y sont. Ouais. Voilà. Attention. Ah, c'était bien, Sneak. Voilà, on peut difficilement faire plus près, là. Je vous laisse passer. Mais gaffe, c'est ce truc-là qui s'effondre, non? Ouais, c'est ce truc-là qui s'effondre. Ouais, non, c'est du gravier, ouais. Vous me dites s'il se rapproche de moi, hein? N'y bouge pas. Je me rapproche de lui, là? Encore. Ah, oui. Oui, là, on va être assez près. Bah, Farah, il a sa canne à pioche dans la main. On va voir quand il sera tiré. Et là, j'ai plus de blocs. Mais sur la tête. Ah, ça y est, ah. Attention, sneak, hein, voilà. Bon, Farah, je vais passer devant si tu veux. On regarde le comment ils vont faire. C'est-à-dire que je sais Farah, que on tous les deux. Préposer. Parce que là, on peut pas faire plus près. Là, faut rater les conneries. Hein. Je vais y aller discrètement. Alors... Attention, Farah. Je vais passer. Je vais rester en sneak pour être sûr que. Tout voilà. Ça pour deux minutes de plaisir. Non, on pouvait pas me renverser. On est d'accord. Si on est en sneak. Sneak, on peut légèrement se pousser. Ouais, mais on peut pas tomber. Dedans, quoi. On peut pas tomber. Tant qu'on est en sneak. On non, peut non, non, non. Quand t'es en sneak, c'est bon. T'as même jamais rapproché juste. Sauf si on fout un coup, mais. Et il nous regarde, cet imbécile là. Ce qui vient. Non, en fait, c'est qu'il a des cheveux très bizarres en plus, t'as vu? Oui. Il a une bonne tête. Franchement, il a une bonne tête. Ah, ça y est, il approche. Il vient chercher. On fait quoi? Et on fait quoi après? Bah, et bah, tu mets une selle. Et tu montes dessus. Vous avez pas de selle? Et vu qu'on a plus la selle. Ah, vous avez plus de selle. Parce que là, je crois qu'il demande quelque chose. Hein. Et puis, on a des copains. Manger. C'est ça qui fait des copains. Oh, il a des petits cœurs. Oh. Oui, parce qu'ils peuvent se reproduire en plus. Vas-y, redonne encore un coup là. Ah, mais je peux pas. Il y en a plus qu'un. En fait, il faudrait qu'ils soient en couple en fait. C'est comme pour les cochons, les moutons et qui font bête. Tu sais, ça fait penser à quoi? Ça fait penser, tu sais, quand ceux qui ont des chiens. Moi, j'ai pas de chien, mais bon, en l'occurrence, j'ai de la famille qui en avait. Et c'est à la fin du repas, t'as le chien, tu lui donnes une croquette, après il te regarde comme ça. Il se met à côté de David, attends. Essaye de le ramener, il va voir s'il suit. Ah, bah, il suit. Oh, il va vite. Ah, ouais, là il kiffe. Hein. Ah, ouais, là il te suit complètement. Ah, il a arrêté. Il n'arrive pas à passer de quoi? Il peut pas sortir de la lave? Si. Oui, mais il a froid en fait, si tu le fais sortir. Ouais, tu m'étonnes, c'est pas la même chose. Ouais, et après il meurt. Alors, moi j'ai envie de tout casser, de me casser. Viens voir comme des cons rester sur le truc là. Help! Help!
Tiens, je vais mourir. Ah bah attends. Je le sens tellement mal, si vous savez à quel point je le sens mal. Faut le ramener ici, Farah, ouais, et après on cassera les blocs. C'est ce que je fais, c'est pour ça que je te suis. Mais j'ai l'impression qu'il est bloqué dans les blocs, là. Bah, c'est ça. On fait tout ça pour rien. Bah oui, y'a pas de sel. Y'a pas de sel, on peut rien faire. Pas de sel, et en plus, si on le laisse là, bah, il ne peut pas. Non, mais au moins, on saura. C'est bon, il a avancé, Rick. Au moins, on l'a vu se déplacer. Là, j'enlève, il faut que tu l'amènes jusqu'au bout. Le gravier est fatal dans le désert, effectivement. Mm. Fais attention. Faut que tu me laisses la place, Rick. Après, il faudra que tu ranges la canne à pêche, je te laisse dans le coin et on retire les blocs. Retire la canne à pêche, reviens. Bon, moi ce que je propose pour les viewers, parce que je pense qu'on on va peut-être pas réussir, de toute façon, il a rebougé ce con. Ça sert à rien de laisser de le ramener, vous faites juste ça pour le fun. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de toute façon? Ouais, c'est bon, gars. Bon, voilà. Au moins on en a trouvé. Hein. Ouais, mais voilà, vous allez le ramener, mais la rigueur, faudrait l'enfermer. Il va pas nous attendre. Non, il va dispawn. Non, faudrait peut-être lui mettre. Je sais pas si on a un M-tag. On a un M-tag à la maison. Ah oui, on peut. Mais après, bon, faut l'enfermer et tout. Faut pas nous servir du grand utilité. Ouais, utilité. Non, franchement, ça fait gaspiller un M-tag pour rien. Bon, comme on l'a vu. Je préfère faire un M-tag avec Jet dessus, ouais, pour faire un mouton multicolore. Ouais. Ce sera plus marrant. Bon, c'est rigolo. Bah, tu vois, franchement, parmi tous les mobs, c'est celui-là le plus beau, je trouve. Enfin, il est sympa, il est meilleur. Je parle dans le désert. Ouais, une bonne tête. Ouais, puis il est utile du coup pour se promener. Ouais, il sert encore à quelque chose. Bon, bah, le cochon, faut, je crois que personne s'en sert du cochon avec la selle. Non. Il y a les chevaux maintenant, donc les cochons, rien à foutre. Hein. Et peut-être que lui, dans le désert, bah voilà, ça peut être sympa. Oui, ouais. Tu peux traverser le lac de. Les lacs de lave, absolument. C'est non négligeable. Donc, on va essayer de revenir sans mourir. Ce qui n'est pas dit du tout, parce que me connaissant. Enfin, de toute façon, après mon stuff, enfin, si, enfin, moi ici, il y a quand même pas mal de fer. Mais à part ça, il n'y a rien. Donc on va revenir par là, voilà, comme ceci. Et puis bah du coup, bah, on n'aura pas fait énormément de choses dans cet épisode, mais on aura quand même découvert deux nouveaux mobs. Et puis on a vu un petit peu comment ils marchaient. Il n'y avait que ceux-là comme mobs ? Oui. Donc là on a fait tous les nouveaux mobs, c'est-à-dire les piglins, les facochères, là, et puis les trucs dans la lave, c'est ça ? Ouais. Les arpenteurs, c'est ça ? C'est oui. Ça qui s'appelle. Ok. Et ben voilà, encore une découverte. C'est vrai que ça va quand même assez vite hein, pour la mise à jour, donc effectivement la série ne va pas durer des plombes, mais on va essayer quand même de faire une belle maison, enfin vraiment d'explorer ce nether mieux qu'on a fait, parce que là c'est là on fait tout à l'arrache, là on découvre là. Mais après on fera un truc un peu plus structuré. Après je vois quand même, pour dire, je vois quand même dans les progrès du nether, il y a quand même, ça parle de bastion, donc je sais pas exactement c'est ce que c'est, mais il y a peut-être des nouvelles structures. Attention parce que là il y a un... Alors lui, d'accord, ok. Tu me tues ou pas? Oh putain, il tape dessus. C'était VH qui a mis un coup. Moi. Bon bref. Pas grave. Donc du coup, faut remonter là. Ouais. Ouais. C'est ici, quand c'est par là qu'on est passé, on a mis des torches. C'est bizarre, d'habitude c'est Farah qui est habillé tout en or là. Et quand on en a besoin, maintenant il fait plus. Voilà. Ah effectivement, c'est par là. J'ai eu de la chance de pas avoir un coup de pioche. C'est vrai que j'aurais préféré passer en PvP niveau réglage. Hein. C'est vrai que, mais bon, enfin, on avait parlé, il y a plusieurs personnes qui, de la série qui ont voulu rester en PvP. Donc, oula. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on reste en PvP. Et voilà, la maison est ici. Donc là, je ne suis pas mort. C'est un miracle. Je suis réussi à revenir sans mourir. Bon, j'ai pas de niveau. Tiens, il faudrait que je farme. Tiens, un peu de. De Véric. Non, de. Quartz. De quartz, tout à fait. Garder ma pioche en fer, parce que pour la netherrack, c'est pas intéressant de prendre autre chose. Voilà, comme ça je pourrais enchanter à nouveau mon armure et passer en protection 1 partout. Si je peux... Salut, tu vas où? Là j'ai juste de ramasser le quartz en fait. Ah d'accord. Je cherche des morceaux de quartz pour avoir un maximum d'XP. Je suppose qu'à la maison vous avez fermé toute la... À tous les blocs de quartz, pardon. Non, il n'y en a plus la dispo là dans le coin, juste dans le coin. Histoire de... J'avais farmé pas le mal par ici. Après, vers le fort, il y en a beaucoup. Non, mais de toute façon, c'est pas grave, au pire. C'est... Moi, ce qui compte, c'est de choper à 2-3 niveaux. De toute façon, j'ai 3. Je crois que j'ai 3 niveaux à prendre du coup. Attendez.
J'ai... Non, mon casque, non, mon casque, je l'ai toujours. Donc en fait, j'ai 3 pièces d'armure plus bah, l'épée que j'ai mis aussi à la sharpness. Donc j'ai besoin de 3 niveaux. Bah, c'est bon. Voilà. Et je suis niveau 4. Alors, on va passer niveau 5 histoire 2. Et ça me suffira très largement pour faire mes enchantes. Voilà. Alors, j'ai pas réussi, mais je vais y arriver. Voilà, et voilà, c'est bon. Niveau 5, hop, voilà. Et c'est parti, on retourne à la maison. Et bah, du coup, on va se laisser ici. Pourquoi j'ai pris un dégât là. Et puis notre aventure avance bien. Il faudrait qu'on farme quand même un petit peu hors vidéo, mais ça on le fera peut-être soit pour la prochaine vidéo, soit pour celle d'après. Parce que là notre maison on l'a pas du tout. Il faudrait qu'on fasse un petit palace. Et là on fera une vraie maison. Donc là il y a Farah qui va ouais. pouvoir farmer comme un dégueulasse. Voilà, pour faire un beau truc. Et non pas une cabane, je sais pas où là. Parce que je spoil, hein, t'as vu, j'ai tout vendu. Du coup il pleure, enfin il dit plus rien. Non, je suis là. Donc ça c'est buggy, vous avez vu. Hop, là, on apparaît. Peut-être que ça va être corrigé, je sais pas. Bref, donc on peut aller voir ta cabane, Farah. Ouais, non mais elle sert à rien pour l'instant. Y a rien dedans. Oh bah tiens, c'est gardé par des creepers, je vais pas y aller. Hop là, il y a des creepers qui montent, attention, attention. Voilà. Attention derrière toi, il y en a un autre. Voilà, alors là, il y a un lag. C'était évident, quoi. Évident. Alors, directement, voilà, vous avez vu un petit fail. Bon, c'est pas grave, mon sub va être à côté. Hein. Il y a pas un squelette qui va chercher. En plus, qu'il y a eu. Lag. Voilà, alors, bah, j'ai perdu, en fait, évidemment, l'XP qui était là, et que je me suis fait chier à venir d'aller chercher, juste dans le laser. Là. Donc, je sais pas qui c'est qui l'a ramassé. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui a dû le ramasser Moi, non. Après, j'ai 4 niveaux de base, donc. Moi j'ai 0, mais c'est pas grave. Au pire, regardez là. De toute façon, pour avoir 5 niveaux d'XP, hein, c'est pas dur. Hein, il suffit juste de tuer là quelques bestiaux. Sans crever. Voilà. Et rapidement, voilà. Donc j'ai presque niveau 1, mais bon. Et surtout, faire de la repos. Faire de la repos avec les animaux là. Et ça, par contre, ça monte super vite la repos. D'ailleurs, je vais le faire maintenant juste pour. Parce que j'y suis. C'est quand même con de pas vous le montrer. Je viens de failer. Ah là 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 là. Et ben on va prendre ça. Et merci. On va prendre ça. Voilà, ça devrait suffire très largement pour récupérer mes 5 niveaux. Alors c'est vrai que je sais pas pourquoi on a fait autant de bouffe. Il faudrait qu'on aille chercher quand même un peu de bouffe là, parce que je crois que ça a descendu pas mal. Donc là il y a les meumeux là qui vont. Il y a plein de bisous. J'ai récupéré plein de niveaux. C'est tout. Alors là, normalement, voilà, c'est bon, ça commence à. C'est normal, c'est un retardement, c'est normal. Bon, elles vont être un peu tassées là, les vaches, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas buté. Alors, on a déjà 3 niveaux, les poules, pareil. Alors, on y va comme des fous. Ça a l'air les plumes, on en a besoin, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Mais... Alors, j'ai déjà niveau 4, voilà, j'ai donné toutes mes graines. Pas de niveau 5, rien. Niveau 5, bon voilà, bon écoutez, le niveau 5 je l'aurai très rapidement, voilà, probablement en allant fermer ou en faisant cuire des patates ou des trucs comme ça. Donc ça devrait aller assez vite. Et bah du coup on se laisse et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.